Allez, bonjour les économistes. On se retrouve pour une septième partie où cette fois-ci on va s'intéresser à notre cumulus, si vous avez la chance ou la malchance d'avoir un ballon d'eau chaude. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'aller non seulement monitorer l'électricité consommée par votre ballon, mais localement à votre cumulus, mais également on va aller regarder la consommation d'eau chaude. Et en plus, cerise sur le gâteau, on va également mesurer en temps réel la température de votre ballon. Alors, on va avoir besoin d'un peu de matériel, ok. Et en premier lieu, on va avoir besoin d'encore un PZM. Donc, voici un lien Banggood, mais voilà. Donc, c'est une version maintenant V3, donc c'est en mode bus, mais pas de souci avec Tasmota. Sinon, ESP Home arrive, et comme je vous ai dit préalablement, je referai certainement la vidéo avec le PZM et avec l'intégration ESP Home, qui représente clairement l'avenir. Deuxième matériel, on va avoir besoin d'un débitmètre. Et oui, pour aller évidemment regarder la consommation d'eau. Donc voici un petit modèle qui marche en 3/4, donc en 21-27, hein, en termes de diamètre. Ici, c'est du mâle-mâle. Donc vous allez peut-être avoir besoin un peu de manchon, de raccord, femelle, mâle-femelle, suivant votre plomberie. Donc, si vous avez jamais fait de plomberie, vous allez faire ça soit en téflon, soit, moi je préfère plutôt le joint filasse. Donc, en haut là, petit lien sur une petite vidéo là de Jérôme Rénov sur les joints filasse, d'accord? Donc vous avez besoin de filasse et puis de gèbre pour faire l'étanchification, pardon. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir besoin comme matériel? Pour mesurer la température, d'une sonde de température, et je vous conseille de prendre ce genre de température, une sonde Dallas, ça s'appelle, et dedans vous avez un capteur qui est le 18 DS18B20. Petite remarque, si un jour vous commandez suite à cette vidéo et que vous êtes également intéressé pour aller monitorer la température d'un puits, d'une citerne, d'un forage, achetez-en deux. D'accord, parce que je fais un peu de teasing, il va y avoir des vidéos sur ça. Et voilà, donc vous pouvez choisir entre 1 mètre et 15 mètres de câble. Donc si vous avez un puits, ça sera peut-être vers les 15. Et puis sinon, 2 mètres suffiront, à mon avis, pour votre cumulus. Alors après, vous en avez un peu besoin de câbles, de connecteurs. Alors, je vous conseille d'acheter, alors là c'est vendu par 10, mais bon, à 2 euros, voilà. Ce sont des câbles servo. Alors ça va être pour en fait découpler les capteurs de votre node MCU ou un D1 mini, parce qu'en fait ça va être un D1 mini que je vais installer, moi, que j'ai déjà installé dans mon cumulus, mais après si vous voulez choisir un node MCU, c'est comme vous voulez. Et donc ça c'est pour en fait facilement débrancher, rebrancher le débitmètre, la sonde de température, sans devoir tout désinstaller. Et puis aussi également pour le PZM, une prise JST-XH en 4 pins. Et puis pour faire, alors soit vous soudez directement, mais si vous utilisez un node MCU, vous allez avoir besoin de sonde Dallas. Et ce que j'ai oublié de mettre ici, donc je vais faire dupliquer le module. On va aller se chercher un D1 mini. Ok, voilà. Donc là, c'est aussi vendu, c'est peu cher, c'est dans les 2-3 euros maximum. Donc vous allez les trouver. Alors ça a changé. Donc typiquement, elle est super celui-là. Voilà, très bien. D1 mini à 2,50 $. Vous voyez, c'est ridiculement peu cher. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, on va avoir besoin d'une résistance, de 4,7 kilos. Homme, d'accord? Donc, pas mal de petits matos, mis bout à bout, node MCU 10 $, avec la pince en périmétrique, le D1 mini 2 $, 5, la sonde de température, je sais plus, c'était de l'ordre de 3 $, donc on est à 15 $. Le débitmètre, on est à 6 $, on est à 21. Un peu de câblage, vous voyez. Bon, allez, on est en dessous de 30 $, donc allez à 25 euros, tout compris. Voilà, plus la résistance. Alors, j'ai fait un petit montage de ce que l'on va devoir faire. Alors, je vais l'ouvrir parce que ça sera plus simple. Okay.
Et ce sera. Voilà le montage que l'on va réaliser, que j'ai déjà réalisé. Donc là, ça s'appuie sur un DA mini, hein, histoire de changer, mais sinon, si vous préférez un node MCU, c'est strictement identique. Donc, allez, pour le PSM, toujours pareil, on alimente en 3-3 ici. Donc là, il n'y a plus qu'une seule pin 3-3. Faites attention, donc il va falloir souder plusieurs départs de fil sur cette pin-là. Donc le 3-3 sur le PSM V3, si vous avez une V2, n'oubliez pas de mettre le pont diviseur. La masse, on la récupère ici. Et puis après, la liaison série, ben, on a TX sur RX et RX ici vers TX. D'accord? Alors ça, pour le débit mètre, eh ben, on a toujours besoin du 3-3 ici, okay, qui va dans le fil rouge, la masse qui va dans le fil noir, et le fil jaune, eh ben, ça va dans, j'ai choisi la pin D5. D'accord? Et enfin, la sonde de température, pareil, la masse, le plus 3 volts, et le signal donc de la sonde Dallas, c'est en D0. Attention, il va falloir mettre une petite, la fameuse résistance de 4,7 ohms entre le VCC et le fil de signal. Alors, je vais vous montrer en photo un peu ce que ça donne. Voilà. Donc voici un peu le montage, bon, c'est pas très propre, hein, mais bon, ça marche très bien. Donc vous voyez un peu les départs des fils des cerveaux, ok, ici, qui va me permettre de faire les branchements. La fameuse résistance entre le VCC et le pin D0 de 4,7 ohms. Et puis voilà, d'accord. Donc là, on a les liaisons RX, TX, etc., etc. Donc au niveau hardware, je vais pas vous filmer comment souder ça ou comment installer ça parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Donc je suppose que vous avez un fer à souder et que vous y arriverez. Si vous avez le node MCU, ben ça sera avec des fils du pont, ça sera peut-être plus simple. Alors moi, vous allez voir, et puis je vais le montrer en live après. Ça c'est installé directement sur mon Cumulus. Alors je vais vous montrer déjà la photo de comment c'est fait. Et donc vous avez ici la file de sonde de température. Alors il va falloir percer la coque externe de vos cumulus. Oui, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Donc un ballon d'eau chaude a toujours une enveloppe métallique assez fine qui doit faire 1 mm, ok, en ferraille. L'isolant, donc vous avez 2 à 3 cm d'isolant, et puis après la structure métallique de la cuve où l'eau est évidemment conservée. Donc n'ayez pas peur, il va falloir percer juste la structure métallique interne avec une petite chignole, ok. Et c'est surtout très important, il va falloir percer avec un angle quasiment parallèle à la paroi afin d'aller insérer, voyez, la sonde de température, comme je vous l'ai montré en photo, peut-être par là. Donc c'est une sonde qui est assez longue et donc le but c'est de la glisser quasiment parallèle pour que toute la surface de la sonde puisse collecter la température. Comme l'a préconisé aussi Barnabé, placez votre sonde de température plutôt au milieu de votre ballon, parce que quand c'est en haut, finalement vous avez l'accumulation d'eau chaude qui est plutôt par le haut, donc vous allez biaiser positivement la température, et si vous la placez trop bas, cette sonde, ben, c'est plutôt de l'eau froide, donc vous biaisez négativement. Donc celle qui minimise un peu l'erreur de mesure, c'est en termes de position, c'est bien au milieu. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser, comme précédemment, vous allez flasher Tasmota, le bin que vous avez fait. Donc si vous l'avez pas vu mes précédentes vidéos, ça se passe là, ok, ici, voilà, vous cliquez dessus, c'est la vidéo numéro 5 et puis vous allez avoir besoin un peu de la 6, voilà, et donc ça je suis bon d'or que c'est fait. Le firmware c'est le même, hein, pour le DA Mini ou le Don MCU, ne vous inquiétez pas. Alors, nous voici devant la réalisation de l'installation. Donc, vous voyez in situ la sonde de température, bon, qui est maintenue par du scotch, pas très propre, mais bon, moi c'est caché derrière un rideau, il n'y a aucun souci. Et puis, nous voyons ici le fameux débitmètre, alors, qui est connecté. Alors, on pourrait penser qu'on connecte ça sur l'eau chaude. Donc ça, c'est ma sortie d'eau chaude, ok. Mais non, je vous conseille plutôt de le mettre sur l'entrée d'eau froide. De toute façon, dès que vous tirez de l'eau chaude, vous avez automatiquement le remplissage du ballon par le même volume d'eau froide. Et du coup, ça vous évite que votre débitmètre va s'entartrer plus rapidement, parce que le tartre a tendance à plus s'accumuler sur la partie eau chaude. Et comme vous voyez, la sonde de température arrive ici, sous le capot, le fil aussi également du débitmètre arrive sous le capot, et derrière ça, j'ai mon montage que vous avez vu en photo et qui est alimenté ici, comme vous le voyez, par une prise
ou qui amène le 5 volts sur le D1 mini qui alimente tout, le PZM, la sonde de température et le débitmètre. Donc c'est relativement discret puisque moi c'est caché derrière un ballon et comme vous le voyez, c'est un ballon de 300 litres, c'est mis à peu près à mi-hauteur. Donc c'est pas très gênant. Voilà. Donc du coup, c'est une installation assez simple et comme je vous ai dit, vous percez avec votre petite chignole électrique, votre visseuse perceuse, ok, avec un angle le plus droit possible afin de vraiment insérer la sonde de température le plus parallèle. Alors du coup, vous allez devoir peut-être enlever un petit peu d'isolant, mais j'en ai très très peu enlevé. Et il faut bien que votre sonde de température touche la coque interne de votre cumulus. Hein, c'est important pour que le transfert d'informations au niveau température se fasse bien. Et donc là, on se retrouve sur la configuration de Tasmota. Allez, nous voici sur le D1 Mini. Donc, comme précédemment, vous allez devoir insérer et configurer votre Wi-Fi pour que ce module se connecte automatiquement sur votre Wi-Fi LAN. Et puis, bon, le MQTT est bien configuré aussi. Et en fait, on va regarder quand même le module. Donc, on va mettre un générique, hein, comme le node MCU. On va mettre ici, au niveau du configuration du PSM, vous voyez ici, j'ai un PSM B2. Donc, ça veut dire que pour la pin RX, c'est le PSM 004 RX en 63. Si vous avez une V3, évidemment, vous sélectionnez la 96. Voilà. Et la nouveauté, c'est que sur la pin D5, j'ai mon débitmètre et celle-ci, ça sera vu comme un compteur 1. D'accord? Donc la pin signal de votre débitmètre, le fil jaune, ça sera un compteur 1. Et sur la pin 10.0 de votre D1 mini, vous allez avoir la fameuse sonde de température, la DALAS, DS18XV, voilà, entre parenthèses 4. Donc vous sauvez. Et ça va rebooter. Et donc, du coup, on sera capable d'aller lire trois informations de trois capteurs différents. Alors, au niveau synchro, ça passe. En fait, c'est surtout le PSM qui va être le facteur limitatif. Mais donc, comme je vous ai dit, en tout cas pour une version V2, ne descendez pas en dessous de 7 à 8 secondes. Voilà, donc maintenant, on va vérifier quand même que sur la console, eh bien, on reçoit les choses, parce qu'évidemment, j'ai déjà installé. Et donc, vous allez sur la console, voilà, et vous voyez que ben, vous avez des informations qui arrivent régulièrement. Donc, au niveau de la structure de la trame JSON liée à la télémétrie envoyée par Tasmota, ben, qu'est-ce qu'on a? On a le débitmètre ici avec qu'un seul paramètre qui est C1 et qui va compter. Donc, ce sont des entiers. C'est un compteur d'entiers. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans le débitmètre, quand vous allez le voir, vous avez une hélice qui tourne. Et en fait, chaque fois que vous faites un tour, vous avez un incrément de ce compteur-là. D'accord? Donc, ça veut dire que sur le top, le sommet de votre débitmètre, en fait, il y a un côté où il y a un aimant. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il compte les tours chaque fois qu'il y a une variation du champ magnétique quand il y a le passage de l'aimant sur le rotor et la partie stator et rotor. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons time. Et puis, vous avez une partie également lié à notre PSM, donc qui s'appelle énergie, ok, bon avec les caractéristiques que l'on connaît déjà, et enfin la sonde de température d'Alas, on a juste la température ici. Bon, donc là maintenant, eh ben, il va falloir un peu faire les configurations dans Home Assistant. Alors on a pas mal de choses à rajouter dans Home Assistant, puisqu'on a au moins trois capteurs à rajouter, ok. Et puis vous savez que le PSM, en fait, il y a 8 à 9 capteurs indirectement. Donc on va aller, première chose, on va ouvrir Configurator pour éditer le fichier, et ben sensor.yaml. Donc on va chercher sensor.yaml, ok, ici. Et puis ben, j'ai déjà préparé un peu ce qu'il fallait rajouter. Donc je vais copier-coller pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de choses. Voilà. D'accord. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Tac, je jette ici et je vais descendre après en dessous, par exemple. Donc, je vais jeter. Voilà, j'enregistre. Je vérifie, voilà, que c'est bien enregistré. Et puis, on va voir. Allez, ça commence ici.
Donc ici, en fait, j'ai oublié de mentionner, mais dans mon DA Mini, vous voyez que la partie télémétrie, au niveau de mon définition de mon MQTT, je l'ai appelé ESC pour All-Shot Sanitaire. D'accord? Donc, pour être convaincu, dans la partie configuration et MQTT, pardon, vous allez voir, donc ça porte bien le topic en All-Shot Sanitaire. Alors, on va retourner. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé All-Shot Sanitaire Tension. Et du coup, le topic à aller chercher, c'était les ESC dans la branche sensor. Et puis, comme pour la partie tableau électrique, on va chercher la tension, l'unité de mesure, c'est le volt. Expire après 20 secondes, si vous mettez une télépériode entre 8 et 10 secondes, il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis, on continue pour le deuxième capteur qui serait pour le capteur de courant, ok, du PZM. Même topo, mais à part que c'est le capteur current, en tout cas l'attribut current qu'on va aller chercher. L'unité, c'est le watt. Voilà, on fait pareil pour la puissance globale. Facteur de puissance, alors oui, j'ai pas expliqué, mais parce qu'on va pouvoir faire aussi des petites maths quand on va chercher la valeur d'un capteur. Donc ici, l'information, c'est facteur à récupérer, qui est exprimé entre une valeur entre 0 et 1, et moi je le voudrais en pourcentage. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est au moins le multiplier par 100. C'est ce qui est fait, donc n'oubliez pas de fermer la parenthèse juste après facteur ici, donc vous en ouvrez une avant. Et puis, vous voyez cette présence de barre, cette barre, ça veut dire que je vais réaliser une opération à la suite. Donc c'est un opérateur de composition mathématique, bon, voilà. Et du coup, la composition, c'est qu'on va aller après faire réaliser, on va multiplier la partie flottante, c'est-à-dire simple précision, et on multiplie par 100. Je réouvre des parenthèses ici et je la referme ici, et je refais une autre opération, je compose avec une autre opération, c'est qu'après avoir multiplié par 100, je prends que j'arrondis à deux chiffres après la virgule, donc c'est pour ça que je fais un round de 2. Ok? Donc, moralité, les compositions, c'est qu'on entoure de parenthèses le capteur ou l'expression, on met une barre de pipe, et après on met l'opérateur dessus. Alors, notre capteur, c'est puissance apparente, c'est apparent power, vous avez la puissance réactive, voilà, et vous avez également l'énergie consommée par votre cumulus aujourd'hui, la veille, et le total, etc. Bon, donc ça, c'est pour le PZM. Après, on va avoir besoin de la sonde de température d'Alas. Celle-ci est allée à chercher dans toujours sensor, voilà. Cette fois-ci, l'attribut, la branche, c'est DS18B20, hein, voilà, 18B20, et c'est l'attribut température. Alors, vous voyez ici que j'ai rajouté un plus 5. Ça veut dire que sur la mesure de température que me donne la sonde, je rajoute 5 degrés. Pourquoi? Parce que j'ai testé avec un thermomètre sur le point le plus proche de mon cumulus, donc ici, mon cumulus dans la salle de bain, donc dans le robinet du lavabo. J'ai mesuré, j'ai ouvert à pleine température le robinet d'eau chaude et j'ai mesuré la température et j'ai mesuré qu'il y avait un écart entre 5 à 6 degrés avec entre la température d'eau chaude que je mesurais et celle que la sonde me donnait. Donc ça me permet de débaiser un peu la mesure. Enfin, la dernière dernier capteur qui est toujours en MQTT, cette fois-ci c'est sur le débitmètre. Donc la branche c'est compteur, ok. Et je vais chercher l'attribut C1. Alors, vous voyez, là encore, comme il y a la présence de parenthèse, je fais des maths. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que le comptage, vous avez vu tout à l'heure, dans Tasmota, c'était une valeur entière qui compte, qui s'incrémente par pas de nombre de tours que l'ailette fait à l'intérieur entraînée par le flux d'eau. Et du coup, je convertis ce nombre entier en virgule à flottant et je le divise par 360. Alors, à quoi ça correspond? Bah, c'est relativement simple. J'ai pris une bouteille d'un litre, d'accord, une bouteille de lait pour le cas présent. J'ai ouvert le robinet jusqu'à je remplisse un litre d'eau. Et j'ai remarqué que ben c'était à peu près, j'avais la valeur 360. Qui au bout d'un litre que j'ai passé un litre dans la bouteille. Donc du coup, pour renormaliser le comptage en valeur naturelle en litres, il suffit de diviser par 360.
Et enfin, une dernière petite opération, j'arrondis le nombre que j'obtiens en litres à deux chiffres après la virgule, parce que sinon on peut avoir des 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, vous voyez. Donc c'est histoire que ça ne vous appourrisse pas l'affichage. Bon, ça c'est pour la partie sensor, on ne va pas de suite rebooter, on va aller voir aussi dans configuration, dans fichier configuration.yaml ce qu'il faut faire. Alors on va aller voir, et là, on va aller rajouter des éléments. Ok, à la queue leu-leu. Et là, du coup, je reprends mon fichier. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que ça. Alors, ça, c'est un peu technique à expliquer. Voilà, je définis un nouvel objet qui s'appelle input number. Non, je sauvegarde avant. Voilà. Alors, input number, c'est un objet home assistant qui permet d'aller incrémenter avec la souris la valeur, ou c'est un slider, d'accord? C'est quelque chose où vous pouvez interagir. Alors pourquoi j'ai besoin de ça? Parce qu'en fait, idéalement, ce que je voudrais, c'est afficher la valeur de la consommation de la veille en termes de volume d'eau consommée, d'eau chaude, mais je voudrais celle de la veille. Et il s'avère que c'est très compliqué en home assistant d'aller créer une nouvelle variable à partir d'une autre. C'est assez compliqué. En tout cas, de transférer, par exemple, à minuit, ça veut dire que l'information du jour, hop, je dois la recopier dans une variable de la veille, et celle du jour, après je la repasse à zéro. Donc c'est comme ça qu'on va aller faire nos statistiques de la consommation du jour et de la veille, par exemple à une date, à minuit ou à 2 heures du matin, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je dois mettre à jour ces deux variables, c'est-à-dire j'exporte la valeur du jour dans la veille, et celle du jour, je le fais un reset à zéro. Or ça, c'est un peu difficile à faire dans mon assistant, et une parade, c'est de créer ça dans un objet de type input number, d'accord? Donc c'est comme ça, c'est une petite limitation. Donc du coup, je l'appelle cet input number ESC de la veille, pour le consommation de la veille. Le friendly name, c'est ESC veille. La valeur min, c'est entre 0 et l'autre, c'est entre 100 millilitres. Bon, je suppose que c'est une borne max qui est, on va dire, réaliste. Le pas d'incrément, mais en fait, ça, on s'en fout, en fait, de ces min et max, parce que on va pas agir à la main sur ce slider ou ce, d'accord? Ça va être remis automatiquement. Mais c'est pour faire une feinte pour pouvoir faire cette copie de variable, en fait. Et le mode, c'est pas un slider, c'est un plus et un moins qui incrémente les valeurs. Donc c'est un mode box, sinon vous avez mode slider, mais là encore, on s'en fout. Mais bon, je choisis le mode box. Et l'unité, c'est le litre. Et on va mettre comme symbole, un icône, de l'eau, water. Bon, là, on a presque fini les fichiers de configuration. Il nous manque maintenant ce que j'ai dit. J'ai mentionné que à une certaine heure, je vais exporter l'ESC du jour vers la veille, etc. Donc, c'est créer deux automatisations. C'est ce que on va faire. On va aller dans automatisation et on va rajouter nos deux nouvelles actions après celle de Google Backup. Alors, cette première automatisation, que je vais appeler consommation ESC veille, son but, ça va être d'aller recopier le contenu du capteur ESC du jour, donc, pour le mettre dans le contenu de la veille. Donc, on va faire une copie. Et le trigger, c'est-à-dire ce qui va déclencher, ça va être une heure, une date, exactement. Donc, on fait ça avec la plateforme time, ok, donc ça va être déclencheur, ça va être un temps, et plus précisément à 2 heures du matin. L'action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer la valeur d'un objet input number. Ça tombe bien, c'est celle de ESC de la veille, veille que j'ai définie préalablement dans configuration.yaml. Alors, du coup, la méthode setValue, elle est disponible que dans un objet type input number. Ça paraît incroyable, mais si je l'avais voulu le faire, par exemple, en template sensor, un sensor un peu personnalisé, il n'existe pas la méthode setValue pour un tel objet. C'est pour ça que j'ai dû passer par un input number. Donc, du coup, je change la valeur pour l'objet input number de ESC veille. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? C'est que cette valeur-là, ESC veille, eh bien, je lui dis que c'est égal maintenant à la valeur de l'eau chaude du jour. Donc, vous voyez, je suis en train de faire une copie. Là, je suis en train de faire que A égale B, grosso modo, en termes de fichier de configuration dans une automatisation. Là, ça paraît un peu fou, mais c'est ça. Deuxième automatisation, une fois que j'ai recopié l'information du jour dans la veille, je dois mettre à zéro
la valeur du compteur. Et ça ne doit pas se faire au niveau de Home Assistant, mais ça doit être au niveau de Tasmota. C'est-à-dire qu'on doit lui envoyer un ordre compatible Tasmota pour que la variable interne de Tasmota sur le compteur passe à zéro. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va faire ça, donc ça s'appelle reset ESC compteur. Toujours, pour le déclencheur, c'est un temps. On va le faire à 2h02, à 2 minutes après. Bon, pourquoi pas. Ne le faites pas de suite à une seconde ou deux secondes après. Vous n'êtes pas pressé, généralement, vous ne consommez pas d'eau. Et vous allez faire un MQTT publish. Donc, à 2h02, vous allez publier un paquet MQTT pour qui? Eh bien, regardez avec le topic. Alors, du coup, pour envoyer de Home Assistant vers un capteur, du coup, on publie un paquet et là, c'est la commande. On va lui passer une commande qui est CMND, d'accord? C'est plus comme tout à l'heure on avait. C'est CMND, c'est-à-dire qu'on envoie une commande pour Tasmota. Et toujours dans le state topic ISC. Et pour la branche compteur. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'on envoie dans le DA mini de mon vide sanitaire pour le compteur. Eh bien, on lui envoie quoi? Alors le payload, c'est-à-dire ce qu'on lui envoie, c'est les paramètres qu'on lui envoie, c'est C10. Et oui, parce que pourquoi? Parce que le compteur, il avait qu'un seul attribut qui s'appelait C1, d'accord? Donc on le comprend dans le payload. Et 0, mais comme on veut le remettre à 0, ben on met 0. D'accord? Donc automatiquement, si vous observez Tasmota à 2h02 du matin, vous allez voir une ligne arrivée, une commande arrivée envoyée par mon Orange Pi ou Raspberry Pi. Et le compteur C1 va passer à 0. Voilà, donc du coup, on est capable de repartir sur une confirmation de la journée. Alors, c'est un petit peu complexe, mais voilà, ça fonctionne. Donc, on va redémarrer. Et après, on va commencer à placer nos éléments, nos widgets. Donc, on a pas mal de choses. Et pour cela, on va créer un nouveau panneau dédié à notre cumulus. On va aller dans Aperçu. Et pour l'instant, on n'en a qu'un d'onglet. C'est l'onglet principal. Et bien, on va faire éditer l'interface utilisateur. Et puis là, on va faire un plus ici. Et bien, on va pour ajouter un nouveau panneau. Ben, comment on va l'appeler? On va l'appeler au shot sanitaire, par exemple. Alors, voilà, sanitaire. Et puis, les codes, et ben, si on va mettre un MDI de point water, on a un petit icône d'eau là qui va apparaître. Voilà, on sélectionne le mode et on fait enregistrer. Pouf! D'accord? Donc là, on est sur ce nouvel onglet. Mais vous voyez, il est vide. Et là, du coup, on va pouvoir rajouter plein de choses. Alors, je vais le faire pour vous et on se reprend de suite après. Voilà, donc j'ai déjà réalisé l'importation, la création. Ici, vous avez une liste d'entités, donc toujours pareil. Hein, donc, vous cliquez ici. Et ici, c'est un. Quand vous cliquez sur un plus, c'est une liste d'entités ici. C'est une carte et puis vous les allez ajouter avec le. Et donc, c'est toutes, cette fois-ci, les variables de puissance, d'ampérage, de tension associées à l'eau chaude sanitaire qu'on a préalablement définie dans le sensor.yaml. Et puis, là, je fais une autre liste, d'accord? Et cette fois-ci, ça sera une liste avec deux entités. Vous avez le SC du jour et le fameux input number. Alors, vous voyez, il est un peu souligné. C'est là ce que je vous disais que ça pouvait choisir, vous pouvez monter, descendre. N'appuyez pas hein, si vous voulez pas biaiser un peu vos informations, mais c'est la façon d'aller faire cette recopie à 2h02 du matin. Donc du coup, ben, vous avez la consommation actuelle du jour en litres, puisqu'on a bien divisé par 360 après mon tarage. Voilà. Et enfin, je rajoute encore un autre tableau d'entité qui est température, température du cumulus, de la sonde. Ben ici, voilà, je suis à 52 degrés, alors j'avais rajouté 5 degrés. Alors, c'est pas encore vraiment la vérité, hein, parce que ça va être certainement plus haut, mais bon, au moins, peu importe, mais en tout cas, je suis pas très loin. Alors, vous voyez, en plus, ici, vous avez des informations sur un graphe. Alors, j'ai fait trois graphes ici, supplémentaires. D'accord. Donc j'ai inséré, comme je vous ai montré, un iframe où j'ai réalisé dans Grafana trois graphes les uns en dessous des autres. Donc je vais aller dans Grafana et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc ça s'appelle monitoring, voilà. Et je vais vous montrer la définition de ces trois graphes. Donc vous avez la consommation cumulée, journalière, d'accord. Vous avez la consommation instantanée, je vais vous montrer comment on va faire ça,
Et puis, vous avez la température du cumulus qui arrive. Bon, voilà, comme il a chauffé jusqu'à 6-7 heures du matin, puis ça descend tout doucement jusqu'à 23 heures, parce que moi, j'ai cette tranche d'heure pour, en termes d'heure creuse. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe à définition. Donc, on va dans Edit ici. Et puis, je vais vous montrer que j'ai rajouté deux éléments. En fait, je superpose deux graphes. Le premier graphe, donc, je sélectionne ESC du jour, toujours hein, dans Node. Default, l'entité number, et puis c'est ESC du jour. Je le mets toujours en distinct, ok. Et puis, je vais appeler ça aujourd'hui, voilà. Et je rajoute, donc vous cliquez sur un plus ici, d'accord. Et vous rajoutez, c'est un add key-array, en fait, ici. Et ça va rajouter une deuxième graphe à afficher, qui sera affichée en jaune. Et moi, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche l'ESC de la veille. Donc du coup, je vais avoir en général une constante qui va s'afficher, une droite, qui sera votre niveau de la consommation de la veille. Donc du coup, ben, je peux savoir si je suis au-dessus ou en dessous. D'accord? Et je fais afficher, comme vous allez le voir, maintenant dans visualisation, ben, je fais afficher les unités qui vont bien. Alors, vous voyez, je suis en litres. Je fais afficher, excusez-moi, je fais afficher la valeur minimum, la valeur maximum, etc. Et en termes de graphe, j'appelle consommation cumulée de ESC journalière. D'accord? Donc quand je reviens là, je peux toujours rajouter un autre élément. Vous cliquez ici sur rajouter, vous pouvez rajouter à tout moment. En faisant plus ici, vous pouvez rajouter un graphe à l'intérieur. Alors quel est l'avantage de faire ça? L'avantage c'est que si vous avez qu'un seul objet Grafana, quand vous allez changer la période de temps, les trois graphes vont changer simultanément. Alors que si vous faites trois objets Grafana, eh ben là du coup vous n'allez plus pouvoir faire ça. C'est libre à vous. Donc, si vous voulez que tous les graphes au niveau TAM, sélection de la plage de temps, soient bougent simultanément, ben, vous faites tout dans un seul dashboard de Grafana. Donc, ce qui va peut-être vous intéresser, c'est ça, c'est la consommation instantanée. C'est-à-dire chaque fois que j'ouvre le robinet, de combien de litres j'ai utilisé. Bon, vous voyez, regardez, j'ai une petite douche du matin, vous voyez, très tôt, voilà, relativement tôt. Et depuis d'où elle est là, voilà. D'accord, la petite douche du matin, et ainsi de suite. Donc comment on fait ça? Eh ben on va aller voir, on va faire un edit. Cette fois-ci, on sélectionne toujours l'ESC du jour, toujours en distinct, et là cette fois-ci, je fais non négative différence. Différent. Donc je vais faire des différences non négatives. Et donc ça va me faire vraiment la soustraction de la valeur du compteur moins la précédente. Du coup, ça me fait, et comme c'est exprimé en litres, et ben ça me fait ça m'indique le paquet de volume d'eau que je viens d'utiliser sur une unité de temps. Donc c'est bien homogène, on va dire, à ça. Et du coup, vous pouvez monitorer chaque fois que vous avez un robinet, ben vous ouvrez, ben j'ai tiré 2 litres, j'ai tiré 10 litres, etc. C'est vachement cool. Et du coup, si vous faites bien les choses, si vous intégrez sur la journée, vous devez retrouver votre consommation de la journée. D'accord? Bon, alors les autres éléments. C'est pas très important, c'est toujours en litres, voilà, et puis vous affichez la valeur min, la valeur max, des choses de stackability, comme je vous montrais précédemment. Et la dernière, dans le même graphe, ben, c'est la température, il n'y a rien d'intelligent. Moi, à part, je sélectionne la bonne variable, donc qui est temp cumulus, voilà, et j'affiche les valeurs minimum et maximum pour en termes de statistiques. Bon, donc du coup, je suis prêt à aller à voir correctement les choses, et vous avez le résultat du monitoring complet de votre cumulus en termes de production électrique, d'accord, température du cumulus et consommation d'eau. Alors, du coup, on peut faire des choses intéressantes parce que vous avez votre consommation électrique. Et si vous avez à peu près des températures de votre habitation qui est à peu près constante, et si vous voyez que finalement, vous, pour amener le ballon à une certaine température, vous mettez plus de temps que prévu. Alors, d'accord, si par exemple vous mettez une demi-heure de plus de chauffe, ben, ça pourrait être un indicateur de votre niveau d'entartrage de votre ballon. C'est peut-être assez intéressant à creuser comme critère, d'accord? Donc si vous avez une température de votre habitation de maison qui est constante, en tout cas dans la pièce où il y a le cumulus, et si vous avez et un volume d'eau tiré consommé, vous avez besoin de plus de temps de chauffe, bah, c'est que ça il s'entasse un peu. Donc il faudrait prendre en compte justement le volume, la température de l'endroit où est le cumulus, le volume d'eau consommée, et ça serait bien d'avoir ce critère-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette septième vidéo, bah, qui permet d'avoir un système pour moins de
25 euros, on va dire, complet, qui permet d'aller visualiser, contrôler votre ballon d'eau chaude sanitaire. À bientôt.